pierre en Richancois, associée au GAEC de la Planche, située à Grèze, à côté de Terrasson-Lavilledieu. C'est une exploitation de 170 hectares avec trois associés, donc en bovin viande, poulet de chair et noix et quelques céréales. Donc en ce qui concerne la production de poulet, donc on a trois bâtiments de 1 400 m² où on met 20 000 poussins par bâtiment, du poulet bien-être qu'on élève pendant 56 jours et où on fait litière une seule fois au départ et les gratte la litière et on ne renouvelle pas la litière des poulets. En 2015-2016, on s'est rendu compte qu'on manquait de paille sur la Dordogne. Nous, on avait fait une production très faible et donc on manquait de paille. Donc je me suis posé la question, quelle alternative à la paille? Et donc j'ai fait des recherches et je me suis renseigné sur le miscanthus et le sweetgrass. J'utilise le sweetgrass pour pailler mes poulets. Tout simplement, je vide mes bennes en bout des bâtiments et je les pousse avec un racle où j'ai fait des socs où je laisse une certaine épaisseur. En fait, il me faut pour 1 400 m², il me faut une heure pour pailler mon bâtiment. On a mis en place 2 hectares de miscanthus et 2 hectares de sweetgrass sur des parcelles où nous étions propriétaires. Donc on a implanté en 2019, ça se sème comme une légumineuse. Tout simplement, le coût c'est 900 euros de l'hectare. Et nous on a commencé à récolter en 2021, en février 2021. Je récolte à l'ensileuse en brin très fin pour qu'il ait un pouvoir absorbant le plus important possible. Au niveau du stockage, lors de la récolte, on récolte avec des bennes agricoles qu'on vide dans un silo qui est stocké en vrac. Le sweetgrass, ça pèse très peu, ça a une densité très faible, donc il faut des gros espaces de stockage comparé à de la paille où c'est plus concentré. Les avantages, ils sont multiples, c'est-à-dire que c'est la culture du feignant, on va dire, entre guillemets, puisque on implante et on a qu'à récolter après. Pendant 15 ans. Et puis son gros avantage, c'est son pouvoir absorbant, qui est incomparable avec une paille ou même avec le miscanthus. Et en termes de qualité de paillage pour les petits poulets, on n'a pas de pododermatite, comme on appelle, de problème au niveau des pattes. C'est beaucoup plus sain pour les bêtes. C'est un produit isolant, donc quand les poussins arrivent, la litière est plus chaude et c'est un avantage important. Pour le paillage de nos bêtes, c'est l'avenir. Hein. Bien sûr, puisqu'il n'y a que des avantages quasiment. Une plante qui n'a pas besoin d'intrants, qui pousse toute seule, et puis une qualité sanitaire dans les bâtiments qui est géniale. Donc je pense que demain, ça sera indispensable à tous les éleveurs.